Hey hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour cet épisode de la Ligue des Justiciers du n'importe quoi. On est sur du Super Smash Bros Ultimate et ça va chier. Et ça c'est dit. Et bah c'est tout, en avant. Gars, tout va bien. Moi je suis le gros machin violet et alors pour ceux qui commencent pas Smash Bros, le but c'est de se taper dessus pour faire monter la barre des pourcentages qui est en bas. Et quand on a plein de pourcents, c'est... Ouh, la connexion. C'est beaucoup plus facile de s'éjecter de l'arène, et le but c'est ça, et c'est la seule façon d'ailleurs de mourir dans le jeu, c'est de se faire éjecter de l'arène. Ce qui vient d'arriver à l'un de nos participants qui est Jaja. Ou Yaya. Je sais pas. Ah, j'ai raté mon coup de queue. Ah mon dieu! Je veux pas déjà mourir. Ah non! C'est bon, je suis revenu. Nickel. Il y a une grande madame qui est au fond de l'écran, c'est normal. Donc c'est le jeu du bazar absolu quand tu joues avec des objets, et c'est ça qui est rigolo, je trouve. Alice tout à l'heure me disait que... Ah ! Oh là là. Alice me disait tout à l'heure que... Ben voilà, j'ai joué que en mode compète, c'est-à-dire, je suppose, les tableaux destination finale et sans objet, mais franchement, pour moi, Smash Bros, ça joue comme ça, le bordel, et c'est parti. Et si possible, pas en équipe, pour que ce soit vraiment le gros bazar. Il y a une balle Smash, c'est ce machin qui vole partout, qui permet de faire les coups ultimes de chaque perso, mais faut le taper plusieurs fois pour l'activer, ce qui est pas simple. Ah, j'ai loupé. Non! Pas le coup de batte de baseball. Je crois que j'ai presque le truc de droite, ce qui est quand même bien. Ah non, je l'ai perdu en faisant taper. Et Chronos, t'as fini de nous sniper, là? Ouh là là. Alors ça ramouille un peu. Hein. Ah! Je me suis pris un truc en bas. Oh non. Je t'attends comme ça. Ah, c'était con. Oh, c'est bon. Ah! Oh, je me suis fait virer d'une force. Bon, pas grave. Oups. Allez, moi aussi je vais jouer un peu à distance après tout. Donc c'est le mode multi avec des objets, c'est un peu ça peut être un peu le jeu du lâche où tu restes un peu sur le côté, puis tu balances des petits trucs dans le tas et puis tu vas finir ceux que les autres ont commencé. Ça peut être une stratégie tout à fait viable. Alors que tout le monde reste dans son coin. C'est vrai qu'on a tous plus qu'une vie. Alors oui, les règles qu'on a mis, c'est quoi? C'est 3 vies chacun et je crois 100 minutes max. Ah! Et donc là, tout le monde est à sa dernière vie, donc c'est pour ça que ça joue un peu défensif. Ah, zut. Ah, certaines attaques ont donc plus de priorité que d'autres, notamment quand t'es en l'air que tu fais un coup vers le bas, en général ça bat les attaques vers le haut. Enfin, certaines en tout cas. Aïe! Raté. Raté. Ah non. Ah ouais, là je suis mal. Ah ouais, fallait pas rester au-dessus. Oh, je suis revenu. Truc de ouf. Oh là là. Alors il y a des prises aussi que j'utilise pas du tout assez. Et il y a un bouclier que j'utilise aussi pas du tout assez. Non. Ah. Alors là je suis entre les plateformes du coup, non. J'ai cru que j'allais juste ricocher dans les plateformes, mais non, au bout d'un moment quand même tu dégages. Ok. Bon bah bien joué. Ouf. C'est le bazar absolu à commenter en même temps qu'on joue à ce jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça qui est rigolo. J'ai éjecté qu'une seule personne et pourtant je suis pas dernier. D'accord. Et bah... Alors théoriquement, voilà, le suivant s'en va et Alice rentre. Ok, très bien, bah, ça fonctionne bien. Ce qui veut dire que si à un moment je suis dernier quand même, bah du coup je vous regarderai jouer, mais c'est pas grave. Allez, je suis passé à travers le mur à la fin. Ah bah c'est pas du juste ça, dis donc. Donc ouais, plus on a un pourcentage de dégâts élevé, plus notre, comment dire, la vélocité de notre corps... Quand on est éjecté est forte, et donc plus on risque de rentrer en contact avec les murs invisibles en dehors de l'écran, ce qui équivaut à perdre une vie. J'ai dégagé Chronos direct. C'était vraiment pas de bol pour toi. Oh là 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 là.
Bim! Alors, on va aller voir Alice un peu, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas mis sur la face, viens! Non? Aïe, aïe! Non mais ça fait du combo et tout, non mais attends, ouais. Oh lo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 l. Petite séance de ping-pong sur ma face. Ça c'est une fausse baballe. Ah non, c'était une vraie baballe? Quoi? Ok. Ok. J'ai esquivé. Du coup, je suis tout seul, je suis content. Je suis bien. Zut, trop tôt. Ah! Ah! Attends, avec tes baloches, toi, qu'est-ce que tu nous fais? Là! Zut. Non. Ouh, jolie téléportation, parce que t'as failli prendre un bon smash. Ok, ça c'est fait. Oh la vache! En fait, j'utilise pas assez de petits coups rapides, j'utilise beaucoup trop de grosses attaques lentes. Alors évidemment, quand ça tape dans le bazar ambiant, ça marche bien. C'est vrai que quand c'est un peu moins le bazar et que c'est du 1 contre 1, je me fais enchaîner. Non! Oui. Ah, raté. Aïe! Non, c'est pas moi. Haha! J'étais presque sûr d'avoir mis le bouclier, mais pas à temps. Ah non. Dernière vie. Dernière vie. Boum. J'avoue, c'était un peu la prise en sandwich, j'étais pas très gentil. Laisse-le tranquille, toi. C'est ma baballe. C'est ma... Non! J'espère que ça valait le coup, Alice. Merde. Non. Tu vas pas me la refaire, hein. Merde, j'ai loupé. Oh non. Oh non. Na. Baballe. Ah mais t'as encore deux vies. Petit trophée. D'accord, qui fait une grosse main. Pourquoi pas. Je pensais avoir fini ce kill, mais c'était loupé. Ah, au revoir. Non. Haha. Bien. Et encore une vie, moi je suis déjà à 70, donc ça pue un peu pour moi. Aïe. Puis un contre un, c'est pas là où je brille, hein. Moi je mets des petits coups dans le bazar, c'est comme ça que je gagne. Enfin des coups dans le bazar, en tout bien tout honneur, je veux dire, je... Non, je tape pas sous la ceinture. Ne hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oh le. Esquive. J'ai pensé à faire une esquive. Oh merde. Oh là là. Youpi. What? What? Ton O plus V a la priorité sur mon attaque en l'air? Ben elle est pourrie mon attaque en l'air. Ok, je retiendrai. Ne pas tenter le bas plus A sur quoi que ce soit en fait. Bon. Ok. Très bien. Bah bravo. Bravo. Et bah très bien. Quand est-ce que je change de perso? Je sais pas, j'aime bien Ridley. J'aurais peut-être un peu Samus après. Allez go. Au prochain je change. Ah pardon, faut appuyer sur... Ah, excusez-moi. Alors il y a énormément de personnages dans ce Smash Bros, puisque c'est le Smash Bros où tout le monde est là. Mais j'ai pas joué avec énormément, enfin je sais pas jouer énormément des persos déjà, je pense que je sais vraiment en jouer aucun, mais disons que je connais les coups de pas non plus énormément de persos, après je sais pas, Kirby c'est vrai que tout le monde sait le jouer, tu me diras, c'est pas faux hein. Enfin tout le monde sait le jouer, tout le monde connaît les coups de base, après tout le monde sait pas bien le jouer, moi je sais pas bien le jouer, par exemple, ah je suis dans l'eau, non, qu'est-ce que... Je connais pas ce tableau. Il y a un truc qui m'a chopé et j'ai pas réussi à m'en dépêtrer. Bah c'était pas gentil hein. Pow. Yeah. Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie de poisson? Mais c'est l'horreur ce machin. Quoi? On peut aller de droite à gauche?
Non, j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends rien. Secours. Bam. Lui, j'ai mis une grosse boule de feu, c'était très satisfaisant. Voilà. Alice, qu'est-ce que tu fous? Ah, non, pas le poisson! Ok, on peut revenir quand même. Ça, c'est une fosse. Bowser, c'était une fosse! Je veux la baloche! Ah! Je l'ai touché! Non! Ouais, je l'ai! Non! Merde, il me l'a reprise! Mais non! Mais quelle traîtrise! Non! Oh, le bazar que ça met! Ok, en fait, une fois que le poisson t'a lâché, tu peux remonter comme si t'étais dans un trou. Ça y est, je l'ai vu quand il s'est fait choper, là, notre ami Jaja. Et bah... Ouh. Oh, Metroid! Et bah c'est bien le bazar ce jeu quand même. C'est toujours aussi marrant mais... Quel bordel quand il y a 4 joueurs quand même. Surtout avec les objets et tout là. Ouh. Mais bon, c'est ça qui est marrant. J'ai même pas vu comment il s'est fait. Ah, c'était la balle de baseball. Et bah dis donc. Ça a l'air de piquer. Ok, bien joué. Ah, oh, je suis dernier. Bon, bah... Bon, bah, tant pis. Ah, mais on a perdu Chronos. Ok, bon, bah, ça tombe bien, du coup. Ça me va bien, parce que je reviens tout de suite. Je me fais éliminer, mais je reviens tout de suite. Ah, j'avais dit que je changeais de perso. Eh, mince, j'ai appuyé sur... Ah, bon, bah, je changerai à celui d'après. C'est pas grave. Tout le monde sur NES, ça y est, ça commence. Ça commence. Il y en a un qui gagne, allez tous sur lui. Oh, mais quand même. On va pas faire ça. Je tiens à dire que c'était pas ma proposition. Mais je vais peut-être y participer quand même. Voilà, c'est tous sur Alice plutôt. Prise en sandwich, la pauvre. Hop là! Mais. Ah, mon dieu! Ta petite attaque sautée, là, Alice, ça a l'air... En effet, d'avoir une prio de ouf. Tiens, une petite épée. On peut lancer les objets aussi. C'est une chose qu'on peut faire. Ce que j'essaye de faire. Ce que je vais réussir à faire. Ouais, dans ta face. Youpi. Oh, mais je me fais battre par toutes les attaques. Aïe. Après, il faudrait peut-être que j'essaye d'utiliser mon fameux coup de queue. Le fameux. Le coup de queue de Ridley, ça, qui tue les gens. Qui tue méga mal en tout cas. Oh non! Bon bah si. Oh, un beau bombe. Oh, je l'ai loupé, quelle tristesse. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, le bazar, là on est tous les quatre au milieu à taper comme des bourrins, c'est n'importe. Ah! Non! Non! Bon, le coup de queue il est quand même très lent à sortir, donc là je le place pas. Et peut-être, non. Oh la vache, la violence de truc. Ouf! Allez, on revient. C'est parti. Charger une attaque smash en disant y'a bien quelqu'un qui va passer au-dessus. Bah non. Oups. Oh le. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. Il s'est suicidé. Oh, j'aurais pu revenir mais je voyais rien. Quelle horreur. Il s'est suicidé pour me buter, il est mort avant moi et j'aurais pu revenir sauf que... Bah, sauf que j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Oh, quel enfer. Bon bah Alice, on croit en toi. Bah là avec le marteau et ta seule vie contre ces deux vies, je...
C'était bien tenté, hein. C'était bien tenté. Là, si j'ai bien compris ce qui s'est passé à la fin, il a tenté un contre, mais ça, le marteau l'a quand même défoncé, c'est ça? Ce qui est quand même assez sale, hein. Je tiens à le dire. Parce que un contre, c'est censé quand même contrer, quoi. C'est-à-dire que tu fasses ou pas un contre, tu te fais défoncer, c'est quand même un peu dégueu. Mais bon, c'est la loi des objets, hein. Il y a des trucs un peu craqués dans les objets qui te one-shot, même si t'es à 0%, ça c'est un peu moche. On va changer. Et pourquoi pas jouer Samus Sombre. Avec une jolie petite couleur cuivrée, n'est-ce pas? Allez, go. Bim! En avant! C'est quand vous voulez, les gars. T'as pris aléatoire, oula. Oula. Ça, c'est bien un truc que je ferais pas. Enfin, je pourrais, remarque, prendre n'importe quel perso, histoire qu'on voit des persos un peu différents, mais... Déjà que là, je brille pas par mon gameplay, ça va être vraiment chaud, quoi. Par le pouvoir du café, ça va barder. Allez, go! Me retrouver entre les deux, j'avais pas envie, donc hop, on passe à droite. Oh là là, ça rame. C'est terrible. Missile! Non! Non! Oh non, 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 non! Quel lion! Bon bah ça, c'est déjà une vie sur trois. Très bien. Parfait. Ange, c'est ce que j'ai essayé de faire la prise, mais j'ai loupé. C'est une fausse. C'est une... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Non. Et de vie. À 50%. Mais quelle horreur. Ah, il a balancé deux trophées, mais c'est l'enfer sur Terre. Ici, il y a un Rathalos et il y a Mother Brain. Mais je dis non à tout ce qui se passe. Ah ouais, non, mais je dis non à tout ce qui se passe, quoi. Oh là là, mais avec le lag là, c'est vraiment horrible. Ah ouais, non. Ah non, c'est vraiment un joueur, mon dieu, au secours. Alors ce jeu est connu pour avoir un online relativement pourri. Ça se passait bien jusqu'à maintenant, mais là, oh, c'est l'enfer. Hein. Alors profitons de la confusion globale pour balancer des grosses baloches. Et espérer que ça touche quelqu'un. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Non, Alice, laisse-moi. Ah, mon dieu. Je suis mort ou je suis petit? Non, je suis juste petit, je crois. Non, mais c'est vraiment injouable, hein. C'est chaud. Hein. Oh! Aïe. Oui. Aïe. Bon, j'avoue que si la connexion est comme ça, je suis pas sûr qu'on fasse encore beaucoup de parties. J'espère que ça va se rétablir. Parce que là, jusqu'à maintenant, ça allait, hein. C'était pas hyper méga fluide, mais ça, c'était jouable, quoi. C'est dommage. Et surtout, pourquoi ça se met à ramer d'un coup? Ah, parce que là, c'est chaud, quand même. Ouais, bah ouais, non, la tornade de cette arme de Kid Icarus, là, faut pas test, hein. Ça passe pas. Oh, je suis dernier, quelle honte. En même temps, je me suis suicidé deux fois, c'est ça? Ouais, non, c'était vraiment pas top. C'était vraiment pas ouf. Bon. Et ben, très bien. Ouais, c'est essayer de s'en refaire une. J'espère que la connexion va être un peu plus au rendez-vous, parce que là, c'est quand même chaud. Tiens, il y a Red. Bah attendez. Mais, on est que trois. D'accord. Est-ce que...
Non, en fait, il est obligé d'attendre. Bon, bah, ok. Bon, on y va. Il s'était vénère, c'est Ness qui est pas là, c'est ça. C'est ça. Il était trop vénère. Ils se sont dit, vite. Il y a le top player qui s'est barré. Lançons la partie directe. Ok. Donc, parmi les mauvais, qui est le moins mauvais? Voyons voir. Alors, déjà, moi, je vais tomber dans le trou tout seul. Ok. Ok, non, si, ça y est, je me souviens de ce tableau. C'est celui de Castlevania, tout va bien. Aïe! Ha ha! J'étais tiens! Ah! Je suis où? Je suis là. Ok. Paf! Oh, un coffre! Ah non, c'est un Kirby! Ah, la fameuse attaque vers le bas de Kirby. Qui n'a pas gagné des parties comme ça? Avouez! C'est quand tu commences à perdre, quand tu joues avec des gens qui jouent pas d'habitude, tu fais non mais, et hop, tu prends Kirby, tu fais babé, et ça se passe bien. Aïe! Mais laisse-moi! Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît! Non! Ouais! Aïe! Paf! Ah, bah j'ai défoncé cet objet! Il avait bien cherché après tout. Désolé les gars. Non! Je me suis pris autant d'explosion que vous. Ah mon dieu! C'est pas moi! Ah, ah! Je l'ai esquivé, je l'ai chopé! Mon dieu, c'est la meilleure action que j'ai fait aujourd'hui. Ah ouh! Là! Tout ça pour ça. Ah ah! Bim! Oh non, je l'ai loupé! Tiens! Enzo, paf, des popcorn. Ok. Je suis où? Ah mais je suis aux fraises. Mais je suis aux fraises, d'accord, très bien. Je me suis complètement perdu de vue dans l'action. Ce qui était pas ce qu'on veut faire. Non. Non. Oups. Oh, raté. C'est dommage ça. Paf. Paf. Eh, ça se passe mieux là. Tout de suite, quand il n'y a pas Ness, tout va bien. Donc les vies défilent moins vite. Oh non! Oh non! Oh non, pas ça! Oh Louis, je l'ai chopé! Ok. Faut que ce machin se barre là. Le truc qui pousse, c'est pénible bleu. Raté! Oh non! Enzo, on t'a vu! Ah, mais c'est ta dernière vie aussi, je comprends. Paf! Tiens, petite fusée, cadeau. Monsieur? Monsieur? J'ai tenté une esquive aérienne. Ça marche pas mal, hein. Oups. Boum! C'était au pif. C'est passé, je suis content. Ah, mais t'avais encore tes 3 vies? Non, mais c'est honteux. Paf. Oups. Paf. Oh merde. On peut faire des esquives à la relevée, mais ça c'est pratique alors. Laisse Enzo tranquille et notre duel. Ah. Qu'est-ce que c'est? Une fée? C'est bien ça, non? Comment je fais pour utiliser cette fée en fait? Non! Oh merde! Oh, on est mal! Alice, casse-toi! Oh, entre le trophée et le smash, non, c'est bon. Ça se passe pas trop mal. Oh la vache! Oh non, pas la bombe! Help! C'est bon. Ok, c'est bon. Oh mince, je voulais le taper quand il récupérait de son attaque, mais c'est loupé. Ah, une faux. J'aime les faux. Aouh. Mais ça pique. J'hésite. Paf. Ouais, bon.
Alice d'abord. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ça fait quoi, ça? On saura pas. Yes! Ça, c'est long. Comment ça, 5? Comment ça, 3? Comment ça, 2? Ah, le combat a duré trop longtemps! Oh, t'es à 49%! Non! Et le petit missile! Oh, merde! J'étais sûr d'avoir fait le bouclier, ça a complètement loupé. Mince! Comment j'ai fait? Je me suis déplacé à gauche et j'ai fait... C'est ça le bouton bouclier pourtant. Peut-être qu'il m'a chopé parce que j'étais vers la gauche. Mais quand on fait une petite esquive, on est invincible ou pas? Quand on fait bouclier puis une direction, je sais pas. Bon, en tout cas, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Et bah, on est parti. Je vais garder un peu Samus. Enfin, Samus sombre. Ça joue aléatoire. Oh, ça va se finir avec tout le monde en aléatoire, ça. Ok, ça a l'air de tourner cool. Oh, il y a un... Ah, mais oui, il y a le dresseur de Pokémon, parce que t'as pris le dresseur de Pokémon et qu'il joue les Pokémon. D'accord, ok. Cette petite danse avec Alice, c'est très rigolo. On s'est pas touché, je crois. Ouais, je t'ai eu. Mon dieu, un carapuce. Mais non, il est beaucoup trop mignon, jamais je pourrais lui faire du mal. Aïe. Ok, bon, par contre, Florizarre, j'aurais pas de mal à te taper. Salvate. Ah, d'accord. Ok. Je me suis fait enchaîner. Alors faudrait vraiment que je passe beaucoup plus de temps sur le jeu, voilà, ça c'est fait, pour savoir quel coup a priorité sur quoi, parce que là j'avoue que régulièrement je me fais mes... Aïe! Aïe! Je me fais défoncer parce que je pense que mon coup va battre le sien et en fait pas du tout. Ce qui est toujours décevant. Tiens! Alors, je crois que celui-là quand même, la ruée avec vers la droite, il doit battre pas mal de choses. Que j'arrive quand même facilement à le passer. Il y a un machin au fond là qui met du bazar comme pas possible. Ouais, vas-y, Alucard. Ouh. Ah là, je l'ai. Ah, mais je suis tout là-bas. C'est pas, peut-être pas bien de rester à côté du robot, non? Je pense que c'est pas une bonne idée. Ça, c'est une fausse balle smash. Là-bas, il y a une vraie balle smash, par contre. Elle est à moi! Non! Ah, mon dieu! Ah, je l'ai! Oh non! Oui! Je sais pas sur quoi je tire, mais je tire! Voilà, pardon. J'étais tellement content de l'avoir, j'ai tout de suite appuyé sur B pour balancer mon truc. Bon, bah, je suis mort derrière, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait un gros laser. Et ça, c'est bien. Paf! Oh mon dieu, un Dracaufeu! Carapuce! Aïe! Aïe! Help! Oh là là, oh le lag de ouf! Vache! Non mais, je lui passe dans le dos et avec le lag il se passe rien quoi! C'était que... Non, mais il n'y a aucun de mes coups qui sort. Help! Et je fais les esquives deux fois au lieu d'une. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Paf. Kara. Ping-pong. Ouais! Ça, c'est du travail d'équipe. GG! Ouh là là, ça c'était un gros smash que j'ai failli me prendre. C'était presque l'amoration et ça je pense. Faut pas que je reste là je crois. Qu'est-ce qu'il fait à droite? Il fait des choses.
Paf. Gars. Non, non. Hop. Je suis désolé. Il fallait que ça arrive à un moment. On est tous sur notre dernière vie. Aïe. Mais non, c'était pour déconner en fait. Je vais juste t'attraper pour te faire un câlin et mon doigt a ripé. J'ai fait une prise. Ok. Oup là. C'est pour ça qu'on joue Samus, c'est pour balancer des baloches dans le dos des gens. Oh non. Ok. C'était quoi cette attaque? Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il ait voulu faire. Quoique. C'est bien parce que ça me permet de boire mon café tranquille. Et ça c'est bien. Aou! Ah. Pas de mort. D'habitude quand il y a cette animation c'est que le joueur va mourir, non? Attention, il a carapuce! Tentative de parade. C'est tendu ça quand même. Quand tu vois l'autre charger un smash et que tu tentes une prise, c'est couillu. Hein. Aouh! Ouais, l'attaque vers le haut du Florizarre, elle fait mal. Hein. Il m'a eu comme ça pareil tout à l'heure. Et c'est une victoire pour le dresseur de Pokémon. Eh ben bien joué. Est-ce qu'on tente d'autres persos? Pourquoi pas, hein? En vrai. En attente de joueurs. Certes. Certes. Ok. Et le grand. Ah, mais quand je change de perso, je gicle du combat. D'accord, intéressant. Très intéressant. Avec qui je connais à peu près les coups? C'est ça la question en fait. Eh ben c'est une bonne question. Franchement, je sais pas. Elle, je l'avais jouée sur 3DS. Je sais pas si elle a des trucs qui ont changé. Je sais pas. Link, tout le monde sait jouer Link. Ça se joue toujours pareil depuis le premier Smash Bros, non? Ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh. Bon bah je me mets dans la file d'attente alors. Ok. Très bien. Bah allez-y, on va vous encourager alors. C'est vrai que j'avais pas prévu de me faire gicler de mon propre live. Sa bombe a changé. Ah bon, c'est pas l'attaque que j'utilisais le plus de toute façon. Oh, c'est un niveau de Splatoon. Oui, non, j'ai vraiment pas beaucoup joué à Smash Bros Ultimate. Hein. Je découvre encore tes niveaux. Mais non, si je l'avais eu, parce que j'avais fait le mode aventure quand même. Donc celui-là, on a dû le voir à un moment. Mode aventure qui était vraiment pas ouf. Hein. Je sais pas si y en a qui l'ont fait, mais. Non, je l'ai vraiment fait pour débloquer les persos et voilà quoi. C'était pas vraiment hyper fun. Il y avait des. Donc histoire de raconter les choses pendant que le combat se passe, n'est-ce pas? Parce que je suis pas un très bon commentateur de jeux de baston. Le mode aventure de Smash Bros, c'est quoi? C'est t'as des esprits que t'équipes pour petit à petit faire monter tes stats et avoir des compétences en plus. Qui sont en gros comme des modificateurs de combat pour les, bah, pour les autres modes solo de Smash Bros. Pensez, quand tu te battais contre un Mario Metal, bah, là tu peux te mettre les modificateurs Metal par exemple, etc. Et évidemment c'est pareil pour les ennemis, donc tu te retrouves dans des situations vraiment pourrissimes avec... bah, par exemple, deux persos contre toi et qui balancent que des trophées qui te butent en un coup. Les petits mecs de Galaga là, qui t'attrapent et qui t'envoient en dehors de l'écran. Je crois que c'est les mecs de Galaga. Ce qui était vraiment atroce, hein, vraiment, comme combat du mode aventure. Puis il y en avait d'autres comme ça qui étaient vraiment, vraiment bien relous. Mais c'est encore Jaja qui défonce tout le monde. Oh la vache! D'ailleurs, j'essaye de retrouver le nom de son perso et c'est.
Je vais le retrouver. C'est... Je ne sais plus. Eh ben tant pis. C'est Fire Emblem, c'est sûr, mais c'est qui ce bonhomme-là? Je sais plus en fait. C'est Ike, merci. Alice a encore ses 3 vies. Vache. Ah, bah voilà. Ah non. Toujours là, toujours en course. Tentative de parade, ratée, éjectée. Ok. C'est ça que tu dis que les mecs qui commentent l'Ivo, je sais pas comment ils font hein, dans des jeux comme ça. Après, je crois pas qu'il y ait de trucs par équipe sur Smash, donc ça fait peut-être un peu moins de bazar à lire à l'écran. Enfin, par équipe, plutôt en free-for-all à 4. Enfin, chacun pour soi à 4. Parce que là, pour suivre, c'est un peu chaud. Kamaga est mort. Condoléances, Kamaga. Seconde de silence pour Kamaga. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est le Pokémon légendaire de Pokémon Lune? Je crois. Peut-être, sûrement. Probablement. Bon, après, ça n'a pas l'air trop pénible par rapport à d'autres Pokémon, ça fait juste un laser sur une zone, quoi. Donc, vertical, en fait. Donc c'est assez facile à esquiver. Parce qu'il y en a des vraiment beaucoup plus relous que ça. Oh la vache, mais Alice est passée de 3 vies à 1. C'est à nouveau le duel Alice-Jaja. Mais qui va l'emporter? Mais c'est insoutenable comme suspense! Alors que le lag s'en mêle. Alors que Jaja a eu la balle smash. Alors qu'il a raté la balle smash. Alors qu'il a tapé dans une bombe. Alors qu'il a projeté Alice dans la bombe et s'est suicidé. Oh bah non. Bah non, on voulait un finish qui était épique. Qui était beau, qui était... Non, pas ça, pas ça. Oh la vache, 7 KO. C'est une brute. Ah oui, on va se retaper un combat de spectateur. D'accord, très bien. Bon bah on attend alors. Ok. Fort bien. Fort bien. C'est dommage, j'ai plus de café. Ah, Jaja m'a dit, pour la fée, il faut avoir au moins 100% de PV ou plus et elle te soigne, sinon elle ne fait rien. D'accord, je vais peut-être en profiter pour lire un peu le chat. C'est une bonne idée. Moi j'ai jamais gagné avec le babé. Frimeur. Parce que quand je parlais tout à l'heure du babé de Kirby. Il y a des persos que j'ai jamais vu jouer en fait. Genre le bébé Bowser là, je pense que j'ai jamais vu ce qu'il faisait. Enfin, pareil, j'ai dû le voir dans le mode aventure, mais pas longtemps. Oh, il met des mecha Koopa, c'est rigolo ça. Alors que quelqu'un a invoqué Léviathan. Ce qui a l'air d'être très joli pour mettre du bazar, mais de pas faire grand chose. Ah si, il y a de l'eau par terre maintenant. Ok. Midgar est inondé, mais c'est terrible. Tant de vie sacrifiée pour un combat à 4. Ah non, Kamaga, t'en fais pas pour ton niveau, hein, je veux dire, c'est pas grave, hein. Après, j'aurais peut-être dû mettre une arène où les deux derniers sortent pour que ça tourne plus, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde, mais bon, c'est pas grave. Ah, mais le boulet, il reste, hein, il fait une collision, mais c'est n'importe quoi, c'est avec deux bébés Bowser. Il est sorti de son... Non, je sais plus comment s'appelle le petit hélicoptère. C'est pas la Koopa mobile, c'est... Je sais plus. Le Koopa copter. Marrant, le smash de... De... Marthe. Ouais, ça doit être ça. Alors on en est où? Tout le monde a deux vies. Il y a certains qui sont un peu plus rouges que d'autres quand même. Hein.
Il y a le duel des Marthes sur la gauche. Non, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est de nouveau le bordel, ok. Alors j'essaye de comprendre ce qui se passe. En fait, il y a une matéria d'invocation qui apparaît au milieu. Et celui qui va la toucher déclenche l'invocation. D'accord. Après, est-ce que ça compte des points pour la personne qui a invoqué quand tu touches le truc? Je pense pas, parce que ça va être des événements de niveau. Faut juste que quelqu'un ait touché le truc pour déclencher l'invocation. Probablement. Ah, on a perdu Enzo. Ah, mais j'étais en train de dire tout à l'heure que j'avais pas ma plante piranha, mais en fait j'ai aucun des persos du DLC. Ok. Donc, du coup, c'était en train de télécharger, mais il faudrait que je relance le jeu pour les avoir, donc bah voilà, on verra aucun des persos du DLC. Désolé, à moins que quelqu'un les joue. Je sais pas où je suis, je comprends rien. Je pense que ça résume assez bien le Smash à 4 en chacun pour soi. Alors que voilà, Odin. Zantetsuken, paf! Oh, marrant! Très marrant ce niveau de Final Fantasy VII. On a chacun une vie, à peu près tous équilibrés au niveau des PV. Ah. Petit désavantage pour Alice maintenant. Ah ouais, là ça nettoie le niveau. Ah ouais, ils sont tous les deux fait prendre dans la fausse balle smash, c'est triste. C'est encore le Jacques qui l'emporte du coup. Bien. Du coup, j'ai qui comme perso? Ah oui, j'ai Link finalement. Tout ça pour jouer Link, hein, que je sais pas jouer. Enfin, encore moins que Ridley ou Samus, quoi. Ça risque d'être un peu triste, mais c'est pas grave. Allez, en avant. C'est quand même dommage que quand tu changes de perso, il te jarte du combat en cours. Enfin, du ring. Et que tu repartes en file d'attente, quoi. Mais bon, bref. Alors. Ça, c'est ça, d'accord. Ok. Ça, c'est le moment. Ok. Et ça, c'est la bombe. Ok, très bien. Alors que je fuis mon combat contre Rioli, le temps de trouver les commandes. Enfin, de me rappeler les attaques. Ha ha! Oh merde! Pow! Pow! Aïe! Non! Bah, je reviens de l'autre côté. Comment on meurt dans ce niveau du coup? Faut forcément partir vers le haut. Mais c'est n'importe quoi ce niveau. Aïe. Aïe. Ah non, en bas on revient pas sur les côtés, d'accord. Donc ne pas aller en bas. Ça c'est vu. Ha ha! Charger son smash. Non! Aïe, oui. Tout va bien. J'ai touché une tortue. Et ça c'était vraiment ce qu'il fallait faire, peut-être. Je vais dire je suis englué, mais c'est pas vraiment ça, je suis en peinture lurée. Boomerang! Flèche! Aïe! Link? Pourquoi Link? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on m'engueule? J'ai rien fait, c'est pas moi! Je vous jure! Aïe! Ah oui, non, essayez de faire un coup de boomerang là quand il était devant moi. Mais j'ai pas giclé en fait, il m'a juste explosé. C'est un effet spécial de la faux, peut-être. Ah, ça va. Où est la babale? Elle est passée par ici, elle repassera plus. Si. La babale! La babale! Ah. Je me fais victimiser par les tortues, c'est triste! Aïe! J'ai toujours un grappin ou pas? Ah non, j'ai plus de grappin! D'accord. Paf! Mais y'a Miaouss! 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 Non, pas la tortue! Je rêve où elle a pété un toad. Je veux pas savoir d'où sortait ce toad. Je veux pas le savoir.
paf, paf. Si je me souviens bien d'un truc avec Link, c'est que bas plus A, c'est bien. Raté. Il m'a encore pété un taux donné. Mais qu'est-ce que tu fais là-haut, Alice? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'était que ce déplacement bizarre que j'ai eu? Je sais pas. Tiens! Laissez-moi tranquille! Battez-vous entre vous! Voilà! Comment ça, là, 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 là? Mais ça taunte? Mais ça se fait pas? C'est pas respectueux. Je veux ce truc! Merci! Suivant le trophée que c'est, ça peut beaucoup mieux. Parfait. Raté. Touché. Aïe! À son taunt, c'est un contre en fait. Ça y est, j'ai compris. Enfin, je crois. Peut-être. Ah ah! Vas-y, Shovel Knight, on y va! Shovel Knight, aide-moi, s'il te plaît! Aïe! Cra la vache. Ça taunt. L'ordure. Non, pas les crabes! J'ai rasé un truc. Pendant tout le combat, quand on allait sur les côtés au milieu, on revenait de l'autre côté et là, non. D'accord, bah tant pis. Très bien, bien joué. Je... Ok, j'ai tué personne. C'est ridicule. Ah, mais pourquoi j'ai pris Link, moi? Quelle erreur. D'accord. Ah, ça joue la plante. Eh ben ça, c'est bien. Je suis dégoûté de ne plus avoir ma plante. J'espère qu'en re-téléchargeant le... En re-téléchargeant le truc de l'eShop, je vais récupérer mes persos, parce que... On bêterait quand même. Je suppose que ça devrait fonctionner. Quand même. Bon, bref. Allez. En avant. Direct. Aïe. Je me rappelle ce que fait la plante ici. Aïe. Paf. Oh là là, mais il se passe beaucoup trop de choses dans ce niveau. Il va sur un pont. Pan. 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 J'ai pas compris. J'ai dû prendre un bonbon, je pense. Je vois que ça comme explication pour que j'ai giclé aussi loin, aussi vite. Alors que tout allait bien quelques secondes avant. Yeah! Esquive! Raté! Esquive raté! Non, c'est bon! Paf! Petit coup de botte aux fesses! Tiens! Falcon Punch dans... Non, pas de Falcon Punch. Toujours détesté Captain Falcon. Mon frère jouait tout le temps Captain Falcon sur 64, c'était trop relou. J'ai trouvé quelque chose. Je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé quelque chose. C'est un élément de quelque chose parce que c'est à côté de mon perso. Ah ben non, mais attendez, j'étais pas prêt. Tiens, boomerang. Aïe. Mais ça joue à la petite flèche. Moi aussi, je sais jouer à la petite flèche. Non. Tout va bien. Oula. Alors que je volette gaiement dans le ciel, encore une fois. Flèche. Flèche. Pan. Boomerang. Oh, c'est trop bien joué, je suis trop fier de moi. Ah, alors qu'il vient pour se venger, mon dieu. Ah, je tire une flèche vers la gauche, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Non, mais pas vers la gauche. Oh là 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 là. Tout va mal. Aïe. Flèche. Ah non. Boomerang qui ricoche et qui touche le Captain Falcon, mais c'était n'importe quoi. Ah mon dieu. Ah ouais, non, mais là j'étais trop haut. J'avais beaucoup trop de pourcents. Boum. Aïe. J'arrive.
L'attaque pas téléphonée du tout, c'est le mec qui court vers toi et qui fait... Ya ! Aïe. Babal, 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 babal. Mon dieu, le lag est atroce. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. Mais c'est bien. Mais c'est qu'est-ce qui... Au secours. Ah, on va se taper une déconnexion, c'est sûr, là, c'est vraiment horrible. Hein. Ah ouais, voilà, bon, c'est fini. Ok, merci d'être venu. Bah ça, c'était vraiment bien. Ah... Ah ouais, non, là, c'est fini. Donc là, faut attendre que le jeu ait décidé, voilà, que définitivement, il n'y avait plus de connexion, qu'on se retrouve dans le menu. Bah, c'était bien. Voilà. Alors, qui s'est déconnecté? Ah, mais c'est Kamaga. Mince. Ah bah, du coup, il n'y a plus personne. Non. Ah bah, je vais en profiter pour changer de perso. Choisissez un combattant. On va... J'aurais bien aimé jouer la plante. Tant pis. On va se refaire du Ridley. Hey go. Bim. Bon bah... Voilà, voilà. Bon bah on est plus que 3. Ça sent la fin. Je pense que c'est un des derniers combats qu'on fera. Little Mac. De mémoire, Little Mac, en l'air, pas trop à son avantage. Donc, surtout ne pas rester au sol avec lui. Oh là là! Ouf! Des moments où j'ai l'impression de mettre mon bouclier. Je sais pas si on est invincible pendant qu'on fait ça en fait. Je crois que c'est ça qui va pas. Pourquoi j'ai sauté? Fallait le taper en fait, là il était complètement à poil. Une peau de banane, mon dieu! Non, pas la peau de banane, c'est trop ridicule, je refuse de me taper une peau de banane. Baf. Aïe. Oh, ça pique. Moi aussi, je peux charger des trucs. Ah, ça va pas jusqu'à toi, je suis dégoûté. Quelle traîtrise! Baf! Ha ha! Bah ça, c'était bien. Oh bah, je suis débile. Je fais une esquive pour aller devant son attaque, quoi. C'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Petite plante. Mais... Voilà, allez tous par là. S'il vous plaît, faites un beau petit tas d'ennemis que je peux taper. Oh, c'est pas ce que je voulais faire, ça. Parce qu'une fois que t'as fait l'attaque vers le haut... Bas, B et O, pardon, tu es complètement à poil, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Je peux le faire quand il y a des ennemis par terre, aïe. Très bien. Au moins, on a tous deux vies, donc ça se passe pas si mal. Boum. Il y avait une grosse bombe derrière lui. Bah, 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 bah. Ça a une portée pourrie, ce machin, en fait. Je vais tenter un coup de queue. Ils l'ont jamais vu venir. Boum. Ouais. Ça, c'était cool. Ah. C'est très relou ce niveau avec ce gros rocher au milieu. Parce qu'on est obligé d'aller par là et j'ai vraiment pas envie d'aller par là, moi. Il y a une petite plante par là. Aïe! Oh le le. Boum! Le smash côté de Ridley, bon, comme tous les smash, il sort pas vite, mais quand il sort, il sort. Ça a une bonne priorité, ça. Ah ouais, ça a une très bonne priorité, ça. Oh, oh, oh. Oh mon dieu. Je sais pas à combien de pourcents j'étais, mais ça pique. Mettons des petites boules de feu dans son dos, pour pas dire autre chose. Non. Aïe. Voilà. Ah, le petit coup de pied vers l'arrière, c'est un coup qui a, je pense, avec beaucoup de persos, une excellente priorité. Quand tu fais ça, c'est vraiment excellent. Aïe. Il vise bien, le coquin. Yes! Je t'attends! Bon, d'accord.
Et bah, tu sais quoi? Tiens! Regarde! Je l'ai mis sur moi! Je t'ai eu! Oh merde! Je pensais pas que ça ferait ça! C'était nul! Ah mon dieu! Ah. Ok, tout va bien. Raté! Burk! Je lui ai roté au visage, il a pas aimé. Eh ben ça c'est bien. Ouais, j'en ai gagné une. Ouais, victoire pour le Juju. Wouhou. Eh ben ça c'est bien. Les gens gagnent des trucs, je sais pas ce que c'est. Hein. Ils ont des petites médailles et tout. Moi j'ai pas eu de médaille, hein. J'ai pas mérité ça apparemment. Ok, est-ce que je m'en referai pas une dernière? Non, je voulais changer de perso. Et une fois que c'est comme ça, on peut plus changer quoi, non c'est fini. Hein. Bon bah tant pis. Bon allez, une dernière de la dernière, on fait ça? Allez. Le vainqueur remporte tout! Préparez-vous! Le vainqueur sera sacré champion des justiciers jusqu'à la première fois où on fera du Smash, c'est-à-dire, je sais pas si un jour on en refera. Ah non, mais non, mais pas du lag pour notre dernière partie, quoi. Ah mon dieu! Ah mon dieu, mais Kamaga t'a emprunté les pigeons du loutron, c'est pas possible que ça lag autant. Oh. Ah, ça va un peu mieux. Ok, allez. Ok. Attends, il y a Enzo qui nous snipe, ça va pas du tout. Paf. Ah saute. Oh là là là. Ah ouais, non, ça lag de ouf. Ah mon dieu, je comprends rien à ce qui se passe, quelle horreur. Ok, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Oh la vache. Non! Joli, il a bien anticipé celle-là parce qu'avec le lag c'était pas évident. Bravo. J'ai aucune envie d'aller les rejoindre sur cette petite plateforme, hein. C'est la mort qui nous attend là-bas, c'est sûr. Allons taper Kamaga. Paf. Paf. Yes. Coup de queue, trop tôt. Coup de queue, pas du bon côté. Oh la vache. Oui, le lag c'est l'horreur. Ah c'est triste de jouer le vainqueur qui remporte tout sur ça, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mince. Paf! Paf! Oh non! J'ai lâché trop tard. Oh, ça c'était nul comme mort, c'était vraiment ridicule. Kenzo nous la joue... Je me suis suicidé avec le lac, c'est dégueulasse. Alors Kenzo nous la joue en traître dans le dos. Ouais. Bon, entre le lag et tout ça, c'est assez sale comme partie pour décider d'un vainqueur, mais écoute, c'est comme ça. On va pas changer les règles du jeu au milieu. Je m'entendais pas avoir des campeurs sur Smash, mais apparemment ça existe. Allez, Jaja, va le déloger! Vas-y! Vas-y, Jaja! Ah, c'est pas Jaja qui gagne alors qu'il a gagné toutes celles d'avant, je suis assez dégoûté pour lui, mais... Non, oh, la balle smash! Et là, c'est là que tu vois le lag, c'est qu'il n'arrive pas du tout à anticiper. Ah, c'était une bonne façon de s'adapter aux conditions pourries de jeu, hein, de se mettre sur la gauche et de tirer de loin, parce qu'avec ce lag, qu'est-ce que tu veux faire au corps à corps, quoi. Tu peux rien anticiper, c'est terrible. Hein. Oh là là, c'est de pire en pire. La prochaine fois, on fera peut-être une partie en demandant à qui veut participer avant de faire des petits tests de connexion, parce que j'avoue que c'est... Jouer dans ces conditions, c'est quand même pas ouf, quoi. Allez, Jaja, vas-y! Alors que je ralentis de plus en plus, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est pas un coup de... Ah, c'est un truc qu'il a construit au fur et à mesure du combat? D'accord. Ah, c'est peut-être un des morceaux de... Enfin, c'est peut-être l'arme qu'on reconstruit avec un des morceaux que j'ai eu tout à l'heure. Non, pas comme ça! Pas comme ça, Jaja! Ouais. Oh là là, mais c'est horrible. Oh non, ça va se finir sur une déconnexion. Non, mais on peut pas finir ça comme ça. Apparemment, si. Non, il revient! Vas-y! Vas-y! Ah oui, le cœur, bienvenue! Allez, allez, allez! Oui! Oh, désolé hein, pour Enzo, hein, mais faut bien choisir un des deux pour l'encourager, quoi, parce que sinon... Bien joué, il utilise l'invincibilité de la corniche pour esquiver le truc! Pas le boulet? Bim! Ok, ils sont complètement à égalité, 29 à 27. Allez, petit avantage! Ah, le trophée va faire la différence, oui! Non, ils se battent pour la corniche! Ah ben, le trophée, lui, n'a aucun temps de latence, hein. Il réagit comme d'hab, donc à mon avis, c'est énorme avantage. Et même en termes de dégâts, du coup, bientôt à 100%. L'éjection qui vient! L'éjection qui arrive! Esquive! Non, il a pas pu esquiver, mon dieu! Mais c'est trop haletant, et le suspense! Oh, 106%! 110%, 116%, il n'est pas éjecté. Oh là 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 là, mon petit cœur ne peut pas le supporter, mon dieu. Ah, la Pokéball. Oh là 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 là, non c'est bon, il revient. Les deux reviennent. Oh là là, ça se finit sur la petite plateforme, non. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon débile? On sait pas. On sait pas. Pas d'éjection. Ah, a priori, il fallait pas le toucher, celui-là. Ah ouais, quelle erreur. Et victoire de Jaja. Eh ben écoute, GG. Fou, bah désolé pour les gros ralentissements. Hein. Parce que... On avait dit aux Loutrons et à Kamaga de pas partager les pigeons voyageurs pour leur connexion, mais écoute, ils en font que leur tête, ils en font que leur tête. Moi, je suis bon quatrième sur cette partie. J'ai quand même battu 3 personnes, mais... Mais le petit suicide là sur ma dernière vie, c'était vraiment pourri. Bon, et ben merci à toi d'avoir regardé cet épisode de la Ligue des Justiciers sur Smash Bros Ultimate. J'espère que ça t'aura plu. Je vous dis à bientôt pour ce jeu ou un autre, on verra bien. Et d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.